السلامة ومرحبا بكم. دونك في أول سيانس اليوم في السيكل الجديد في نبداوه، ان سيكل دو ريفيزيون. On va reprendre la partie le condensateur et par la suite le dipôle RC. Alors donc, comme fakarkom, un condensateur, c'est un dipôle électrique qui est constitué donc de deux armatures. Donc c'est une armature. Bien sûr, les deux armatures sont faiblement espacées et séparées par un isolant électrique, donc appelé également un diélectrique. Et bien sûr, je vous rappelle que le condensateur, c'est un dipôle qui est capable de stocker des charges électriques. Donc, sa grandeur caractéristique, elle s'appelle la capacité, qu'on va la noter C. Donc, elle caractérise l'aptitude de ce condensateur à emmagasiner une charge électrique lorsqu'il est soumis à une tension électrique UC. Donc, la capacité C, bien entendu, elle est exprimée en farad. Et bien sûr, on va calculer que le farad, c'est une grande unité de capacité. Donc, pour les exercices, on préfère alors utiliser des sous-multiples du farad. Donc, on va calculer Anna, donc le farad. Donc, il est noté F. Généralement, on va utiliser soit le millifarad, c'est 10 puissance moins 3 farad. Le microfarad, donc c'est 10 puissance moins 6 farad. Le nanofarad, c'est 10 puissance moins 9 farad. Alors, donc, on a un condensateur, donc les armatures ont A et B. On va choisir un sens arbitraire pour le courant électrique I. Donc, l'armature A, elle porte une charge QA, et l'armature B, une charge QB. Donc, QA va être positive, car l'armature A, c'est celle vers laquelle est orienté le sens positif du courant électrique, ce qui fait, à chaque instant, donc LQ, c'est QA, est égal à moins QB. Et on va représenter la tension UC en convention récepteur, donc UC. Donc, on a calculé que UC, c'est Q sur C. Ou encore, on peut écrire que Q est égal à C fois UC. Alors, on a calculé Z, la relation entre donc la charge électrique Q et l'intensité du courant. Donc, le parti HDA fait le condensateur. Zénamatardine, le dipôle RC. Donc, on a besoin de calculer que charge de condensateur. Donc, nous avons deux types de générateurs. Donc, on a HDA. Alors, HDA, donc, nous sommes mis générateur de courant. Donc, qu'est-ce qu'il délivre, le générateur de courant? Il délivre un courant constant. Donc, on va le noter I. Donc, HDA, c'est un générateur idéal de tension qui va délivrer une tension constante. Donc, E. Alors, pour un générateur de courant, donc la charge électrique Q et l'intensité de courant sont reliées par la relation suivante. Donc, I, c'est Q sur T. Pour un générateur de tension, donc on va noter petit i, car c'est un courant variable, est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. Donc,
Mais les deux relations, on va passer à la relation entre l'intensité du courant électrique et la tension au bord du condensateur. Or, on a déjà noté que donc Q, c'est C fois UC. Donc petit i, c'est C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Voilà. Donc, les relations, je ne sais pas quoi par la suite. Alors, bac. Donc, un UC, c'est Q sur C. Or, حسب la formule, Q, c'est quoi? Donc, Q, c'est I fois T. Donc, UC, je n'ai pas le cas, I sur C fois T. Alors, par la suite, nous avons comme Z, donc, ça tourne la séance de TP, donc, une courbe UC, donc, en fonction du temps, nous avons comme que, il y a une droite, donc, linéaire, qui passe par l'origine, donc c'est une droite linéaire. L'équation de Terre, c'est UC est égal à A fois T, tel que A, c'est le coefficient directeur de cette droite, par identification avec cette expression, donc A, c'est I sur C. Bien. Alors, je vous rappelle, Z, que Fama, un cas particulier, donc, Kriné, cas d'un condensateur plan. Alors, je m'en ai un condensateur plan, donc c'est un condensateur dont les armatures sont donc planes et parallèles. Donc je vous rappelle que la capacité C d'un tel condensateur, elle s'exprime par la relation suivante. Donc C égale, alors c'est epsilon 0 fois epsilon R fois S sur E. Alors, donc, epsilon 0, c'est la permittivité du vide, donc elle est donnée dans les exercices. Epsilon R, c'est la permittivité relative du dit électrique, bien sûr, c'est sans unité. Donc, S, c'est la surface en regard des deux armatures, donc en mètres carrés. Et E, donc, c'est l'épaisseur en tardie électrique exprimée en mètres. Bah, je vous rappelle, donc, on a que le condensateur, son rôle, c'est de stocker des charges électriques. Donc, nous avons également une formule de l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Donc, énergie électrique. Donc, EE, soit un demi C UC au carré, soit un demi Q carré sur C, soit 1 demi Q fois UC. Et bien sûr, je vous rappelle que l'énergie, elle est exprimée en joules. Alors, هذايا بالنسبة للبارتي الأولى نتاع الكوندنساتور. Donc, باش نتعداو تاو للديبول RC. Et bien sûr, في الديبول RC, باش نقسموه على دي بارتي. Donc, من الأول باش نعمل لكم un rappel à l'établissement نتاع les équations différentielles. Donc, les solutions et les courbes ainsi représentatives de chaque expression, bien sûr la constante de temps tau. Bien. Alors, nous avons la partie du dipôle RC. Donc, la première chose que nous avons les équations différentielles. Bien sûr, les équations différentielles, donc, on a dit comme à la fin S, ça dépend, nous avons le variable qui est le plus dans l'exercice. Donc, la première chose, je vais vous l'équation différentielle en UC, mais donc je vous rappelle que à chaque fois qu'on vous demande d'établir une équation différentielle, il est primordial de refaire le schéma du montage à la copie, de représenter le sens positif du courant électrique, ainsi que de flécher les tensions. Et bien sûr, maintenant, c'est ce qu'on fait de voir
si ما تخدموش الخدمه هذه الكل. دونك هنا باش نبدا بالشيما نتاع المونتاج. لا ديشارج سي كاليتاتيف. فوالا دونك هذا السيركوي نتاعنا. هذه سي LFME. Alors, donc, أول حاجة باش نصورو لسونس تاع الكورون إلكتريك. دونك سويفون الفليش نتاع الـ E بيان سور. هذه هي I. دونك بعد on va flécher les tensions نتاعنا. دونك UC et UR. Ben, بعد on va choisir un sens positif. Et أول حاجة باش نبداو بها دونك هنا باش نعملو ليكواسيون ديفيرونسيال اون UC. Alors, donc, on va appliquer, donc en appliquant, la loi des mailles. Donc, E moins UC moins UR égale à 0. Donc, je t'attends à dire, je t'attends à l'IE, il y a UC plus UR. Donc, E égale. Alors, est-ce qu'on va changer le UC par son expression? Donc, non, allez, je vais faire un peu comme variable. Donc, on va garder UC plus. Donc, je n'ai la formule ta UR, c'est R fois I. Or, pour un générateur de tension, donc tu as les deux formules. Donc, I, soit nectbois la dérivée de Q par rapport au temps, ou la C fois dérivée de UC par rapport au temps. Et vu que la variable de l'équation différentielle terne, c'est UC, donc on va écrire que I égale à C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Donc, je dois lire un E égale UC plus R. Donc, on remplace l'i par son expression, rc fois la dérivée de uc par rapport au temps. Ou encore, donc, je n'en prends e sur rc égale la dérivée de uc par rapport au temps, plus 1 sur rc fois uc. Bien entendu, tout m'a fait le cours qui est clean à l'âme, dit ma prenez netbou, qu'on a coulé en pause, taux est égal à r. Fois C, vu que tu as écrit au dipôle RC, nous allons en faire. Donc, je n'ai le taux. Donc, par le taux, on pose. Donc, on va noter E sur taux égale la dérivée de UC par rapport au temps plus 1 sur taux fois UC. Avec taux est égal à R fois C. Bien sûr, en bas, donc, je vous rappelle comment fait l'expression de taux. Alors, on a l'équation en UC, taux, je vous rappelle l'équation différentielle en Q. Donc, même schéma, il est encore valable. Donc, je n'arme normalement. Bardement, on applique la loi des mailles. Donc, je vous rappelle que E, qui est là, est UR plus UC. E égale. Alors, l'UR. Donc, c'est R fois I, plus, l'année, contrairement à l'équation l'oula l'armanéha, donc, fait l'oula, ou l'équitibna l'UC, donc, bad, ma'aouznech, bel expression mteha, khatal hachitibéha comme variable fait l'équation différentielle. Ta, on va remplacer UC par Q sur C. Wada. Donc, l'année, il y a l'expression de I qu'on va utiliser. Chnekbou, or I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, je dois lire un affaire. Je dois lire un E égale R fois la dérivée de Q par rapport au temps plus Q sur C. Je dois lire un la dérivée de Q par rapport au temps plus 1 sur RC fois Q. Et lire. Je dois lire E égale la dérivée de Q par rapport au temps plus 1 sur taux fois Q avec taux et R fois C.
Donc, il y a UR plus UC. Donc, E égale. Alors, l'UR, donc, R fois I, plus ONE sur l'autre Q sur C. Ben, donc, l'année, on va dériver par rapport au temps. Alors, donc la dérivée de E est égale à 0, c'est une constante, égale, donc dérivée de R fois I, c'est R fois la dérivée de I par rapport au temps, plus 1 sur C, c'est une constante, fois la dérivée de Q par rapport au temps, qui représente, non, la dérivée de Q par rapport au temps, qui représente I. Donc, نقسم الناس الكل على R. شنو نلقاو؟ شنو نلقاو que la dérivée de I par rapport au temps plus 1 sur RC fois I est égal à 0. C'est-à-dire que la dérivée de I par rapport au temps plus 1 sur taux fois I égale à 0 avec taux CR fois C. Voilà. Donc, l'équation différentielle, nous la déduction de l'équation différentielle en UR. Donc, la dérivée de I par rapport au temps, plus 1 sur taux fois I, 0. Donc, l'équation en I, ou du faster nous avons le fois R. Donc, R fois I, je la dérivée de UR par rapport au temps, plus 1 sur taux fois UR est égal à 0. Donc, c'est l'équation différentielle en UR. Nous allons faire l'établissement des solutions. Alors, donc, l'expression de UC de t. Nahna, Kerman a l'établissement de l'équation différentielle. Donc, il n'a que E sur taux est égal à la dérivée de UC par rapport au temps plus 1 sur taux fois UC. Cette équation différentielle admet une solution de la forme UC de T égale A exponentielle moins alpha T plus B. Alors, bien sûr, le UC de T, donc, il y a trois inconnus, donc, les A, le B, le alpha. L'objectif interne, on essaye de déterminer leur expression en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit. Les grandeurs caractéristiques du circuit, le E, la FOM du générateur, R, la résistance du conducteur ohmique et la capacité c'est du condensateur. Maintenant, nous allons faire une démonstration. Donc, on va exprimer le A ou le B ou l'alpha en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit. Donc, on va utiliser la condition initiale interne. C'est AT égale 0. Donc, nous allons faire AT égale à 0. Donc, le condensateur B, il est initialement déchargé. C'est-à-dire, Kadesh, elle vaut la valeur de UC à T égale à 0. Donc, UC de 0 égale à 0. Ben, on va remplacer l'henné. UC de 0 égale à exponentielle de 0, c'est 1, plus B. Donc, le col Kadesh qu'on a égale à 0. Du coup, je n'ai pas le NEP, je n'ai pas le LIB est égal à moins A.
Et on va remplacer l'expression هذه. Je dois les anna usé d'où. Usé de t, je dois les lier. Je dois les a. Exponentielle moins alpha t. Fibor hnexbo plus b. Qu'est-ce qu'on va noter? Moins a. Donc b est égal à moins a. Donc si vous comparez هذه ou هذه, لهنا قداش عندنا من انكونو؟ كانت عندنا 3 انكونو. Donc, واخلي la condition initiale, à savoir que le condensateur est initialement déchargé. Donc, قداش ولا عندنا من انكونو؟ ولا عندنا 2 انكونو اللي هما الا والالفا. Par la suite, on va calculer la dérivée de UC par rapport au temps. Alors, on va calculer كيفاش تحسبوا la dérivée. Calculer la dérivée de a exponentiellement alpha t. نعاودو نكتبوها كيما هي. والترم ولا الفاريابل اللي قدام تي هو اللي نهبطوه اللوطا دونك تجيني موان الفا فوا ا اكسبونونسيال موان الفا تي لا ديريفي دو ا ايت ايكال ا 0 خاطر سي اون كونستانت بي بار لا سويت اون فا رومبلاسي دون ليكواسيون ديفيرونسيال Ah, nous devons nous faire un peu. Donc, on a fait l'équation différentielle. Donc, on va remplacer dans cette équation différentielle. Donc, on a E sur T égal. Donc, on a la dérivée de UC sur DT. Donc, on a déjà fait ça. Il y a moins alpha A exponentielle moins alpha T plus. Donc, on a 1 sur T. Fois UC. Donc on va remplacer le UC par l'expression TH, bien sûr, l'année, manancé ou chelé, parenthèse. Donc il y a A exponentielle moins alpha T moins A. Ben. Donc je choisis l'année, tu vois E sur T égale moins alpha A exponentielle moins alpha T plus, on développe, tu vois A sur T exponentielle moins alpha T. Moins A sur T égale, donc je vais faire A exponentielle moins alpha T en facteur. Facteur de quoi? Donc le net après moins alpha plus 1 sur T moins A sur T. Donc le net, comme vous remarquez, sur le côté Hedeyan, donc un seul terme. E sur taux, donc le E c'est une constante, également Z à taux c'est une constante. Mais chez la Hedey, on a deux termes. Donc A sur taux c'est une constante, mais terme Hedey, il est variable. Khater fi le facteur ton. Donc, en égalisant membre à membre cette équation, je m'explique, je note que le constante est égal à constante, ou le variable est égal à 0. Khater l'hénène out, l'hénène عندنا كونستانت ولهنا عندنا كونستانت وعندنا فاريابل دونك نحنا باش نعملو ايجاليتي مومبر ا مومبر دونك الكونستانت ات ايجال ا كونستانت بتاعتيني او سور تو ايجال موانز ا سور تو دونك ا سي موان او اي A exponentielle moins alpha t facteur de moins alpha plus 1 sur tout égale à 0. Donc, c'est différent de 0. Donc, je n'ai pas fait le cas, je n'ai pas que alpha est 1 sur tout. Voilà donc, qui n'a rejoint l'expression interne en tal UC de t l'année, et vous remplacez donc le wahd de l'expression interne. Donc, on dit A exponentiellement alpha t. Donc, je dois lire UC égale moins. Donc, l'H, le prénom E. Exponentielle moins alpha t, je dois lire exponentielle. Donc, l'alpha, le prénom 1 sur tout. Donc, je dois lire moins t sur tout. Et moins E, je dois lire plus E. يعني فينالمون نجم نخرجو ال E en facteur دونك شنو نلقاو دونك UC de T égale
Donc, je te lis le UC2T, fait le khan, je me rajoute E facteur. Donc, maintenant, tu apprends 1 moins exponentielle moins t sur tout. Donc, elle dit tout le khan, qui fait que l'expression de UC2T, c'est A exponentielle moins alpha t plus b, tel que A ou l'alpha ou le b, ou mettre des constantes. Donc, finalement, on a pu exprimer UC2T en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit, en fonction de E et en fonction de R ou C qui figure dans l'expression de tout. Donc, بعد ما عملنا l'expression de UC2T, donc on va tracer les courbes, la courbe représentative de UC2T. Alors, donc on va représenter la courbe de UC en fonction du temps. Alors, je vais faire un petit tableau. Donc, je vais vous dire UC, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout. Donc, je vais faire à l'instant t égale à 0. Donc, vous remplacez t 0, donc la valeur de UC est égale à 0. Et lorsqu'on remplace t tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle moins t sur tout, il va tendre vers 0. Donc le UC est égal à E. Donc, je n'ai pas le cours. Voilà. Donc, elle correspond à la valeur de E. Donc, elle est un comme que le cours, elle présente deux parties. Donc, c'est ce qu'on appelle le régime. Transitoire. Ou donc le régime permanent. Or, le condensateur, il est complètement chargé. Ben, donc, on a l'expression de UC2T. Tawa bach nzakarkum, qui fait chnamlu l'expression de Q2T. Donc, on a Q et C fois UC. Or, UC, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout. Donc, vous remplacez l'UC par son expression. Donc, on a Q et C fois E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tout. Donc, c'est l'expression de Q. Donc, de même, si on a l'allure de sa courbe représentative, donc Q en fonction du temps. Donc, AT égale à 0, donc exponentielle de 0, c'est 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Bad, lorsque T tend vers plus l'infini, on a l'exponentielle, il va tendre vers 0, donc je tape à l'expression de ta Q, tape à C fois E. Voilà. Donc, la valeur limite de ta courbe, c'est C fois E. Bien sûr, les amna kul courbe n'arfou la valeur limite mtaha khatr barcha fikoum a une confusion, mais chifi belhom n'importe courbe andou, donc la valeur limite mtaha hiya E. Donc kul courbe chnou la valeur limite mtaha, et lahna bien sûr, comme vous remarquez, que la courbe représentative tal Q et UC andoum nafs l'allure, donc c'est bien logique khatr n'arfou anou Q hiya C fois UC, donc zouz ils sont proportionnel, donc logiquement l'allure. On va passer à l'expression de donc I. Alors I de T, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Or le Q mais elle n'a qu'à maintenant la formule mteha ou dima n'en sert comme à chaque fois je teste votre dérivée dima alors à l'expression je dois lire CE moins CE exponentielle moins T sur tout. Hein? En dérive, égale. Alors, la dérivée m'ta C fois E, c'est 0. Moins. Donc, Q max C fois E. C'est bien. Alors, on camlo la dérivée. Donc, on a une dérivée. Donc, on a une C fois E. Dérivée m'ta exponentielle moins T sur tout. Donc, je compte faire de l'autre. Je tape moins 1 sur tout. Mal moins V. Toi, il y a 1 sur tout. C fois E exponentielle moins T sur tout. Or,
L'expression de taux est R fois C, donc toi les rana C fois E sur R fois C, exponentielle moins T sur taux. Et on simplifie par C ou C, donc finalement je n'ai pas I de T, et il y a E sur R, exponentielle moins T sur taux. Donc là je m'en écoute à Z, I de T égale à I0, donc exponentielle moins t sur taux avec donc I0 et E sur R. Voilà. Asma, on a considéré un condensateur initialement déchargé. Bien sûr, quand je dis qu'un condensateur initialement chargé, donc mouche déchargé, donc l'expression tal UC de T interne, je dis que c'est plus un autre terme, مثلا سميو U0. B. Donc l'hne, kilada, on va tracer l'allure tal courbe interne, I de T, I en fonction du temps. At égale à 0, alors vous remplacez la t par 0, exponentielle de 0, il y a 1, donc je t'apprends à faire le i, t'apprends à e sur r, donc c'est e sur r. Bad, lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle moins t sur taux, il tend vers 0. Alors je n'écris pas comme maintenant c'est au h, lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle moins t sur taux, il tend vers 0. Alors, donc, on a E sur R et tendre vers 0. Voilà. L'année, qu'est-ce que vous remarquez? Que le courant lors de la phase de charge, il est positif, mais il décroît au cours du temps. L'année, on a une petite remarque, je me souviens comme fait les exercices. La partie de la courbe, bien sûr, c'est le régime permanent. Le condensateur qu'on a fait chez lui en régime permanent, il est complètement chargé. Ou cela, nous la valeur de I en régime permanent. Elle s'annule. Donc, il nous le ma baradam, je ne m'en coule. En régime permanent, le condensateur est complètement chargé. Ou l'i qu'on a charré là. L'i s'annule. C'est-à-dire, quel est le rôle ou bien le comportement du condensateur en régime permanent? Je n'ai pas le condensateur en régime permanent, vu que le courant il s'annule. Donc on peut dire que le condensateur il est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc, mettez fiche à nos coulous, quel interrupteur. Voilà. Donc, on va passer à l'établissement de l'expression de UR de T. Donc, UR est R fois I. Or, l'expression de I, c'est E sur R exponentielle moins T sur taux. Donc, vous remplacez. Donc, toi, l'île UR, toi, l'île R fois E sur R, exponentielle moins T sur taux, on simplifie par R et R, donc on va trouver UR égale à E, exponentielle moins T sur taux. B. Donc on va tracer l'allure de la courbe interne, UR, en fonction du temps. B. Donc AT égale à 0, exponentielle 0, c'est 1, donc je t'apprends E. Et lorsque t est envers plus l'infini, donc prenez l'exponentielle est envers 0. Donc UR est envers 0. Et bien sûr, qui m'amène à la remarque pile qu'on a le Q ou le UC, donc random nafs l'allure. Yani, autrement dit, pour visualiser ou pour avoir l'allure de Q de T, on doit étudier celle de UC de T. Et de même, l'évolution de I de T, on doit étudier l'allure de UR de T, car UR
est égal à R fois I, c'est-à-dire ils sont proportionnels. Ben, donc là, on a les expressions UC, UQ, UI, UR. Donc, باش نتعداو توا باش نحكيو شوية على الكونستانت دو تون تو alors la constante de temps tau c'est une grandeur qui nous renseigne sur la rapidité avec laquelle il s'établit le régime permanent, que ce soit au cours de la phase de charge ou de la décharge. Donc, je vous rappelle que tau est égal à R fois C. Ben, avant de passer, qui fait que je vais nous le tau graphiquement, parce que le tau, je vais nous par un simple calcul, connaissant R et C, donc nous avons le produit interne, nous avons le tau. Mais, j'ai une petite remarque où je vais vous faire un petit peu. Ben, باش نصور لكم 3 سيركوي باغ اكزومبل هكايا و ان دوزيام سيركوي ومن بعد هكا Alors, là, nous avons trouvé l'expression de taux. Dans les cas, nous avons trouvé taux. Dans le circuit, nous avons trouvé le taux est R fois C. Dans le cas, nous avons la formule de taux. Dans le cas, le taux est R plus R' fois C. Voilà. Donc, nous avons R fois C, car nous avons une seule résistance. Donc, fait signe, on a deux résistances associées en série. Donc, on va écrire tau, donc ils ont écrit la somme des R fois C. Alors, fait le cas CL, ça t'a. Qu'est-ce que nous avons tau? Qu'est-ce que nous avons? Donc, il faut que nous atteignions l'expression de tau, je trouve que monsieur a une question de nerf. Donc, là, il faut préciser, oui, nous avons fait le cas. Quand nous avons dit que tau, c'est la résistance totale, oui, une résistance totale, c'est la portion de circuit que nous avons fait. Donc, là, il y a une position de le cas. Donc, quand on dit que le taux de charge, c'est-à-dire que c'est le cas à la position l'oule. Donc, là, le taux de charge, c'est R fois C. Donc, quand on dit que le cas sur la position 2, donc taux de décharge, donc, il y a une portion de circuit, il y a une résistance, il y a une résistance, il y a une zouze, donc, est égal à R plus R' le tout fois C. Donc là, il faut faire attention. Dima, manek, à chaque fois on vous demande l'expression de tau, mouche directement, jiu tekbu tau égal à R fois C. Yani, à chaque fois, t'as le cas au circuit, il faut ma axe résistance. Dima, il faut faire attention. Tawa, qui fait chnam la détermination de tau. Donc on a par un calcul, yani, qui tape d'arna le R ou le C ou elle. Donc qui tape d'arna par exemple le courbe ta UC. En fonction du temps. Voilà. B. Donc, à la première la tangente à t égale 0. Bah, on va tracer donc l'asymptote horizontale. Nous le point d'intersection. La tangente à t égale à 0 et cette asymptote. Donc, tau, elle correspond à l'abscisse, à le point d'intersection, donc, c'est tau. Donc, de même, par exemple, quand tu as une courbe en fonction du temps, donc, tu as la tangente à t égale 0, donc,
l'asymptote horizontale nta l'action nta u égale e à 0 donc هذه est tout ben sinon tawa ça a tibda ma'anesh la tangente donc on évite nahna باش نسطروها في في الدوفوار donc ش نعملو sinon ش نعملو وقتها tibda donc عندنا le UC de T par exemple. Ben. Déjà, l'expression de Théha, il y a E, facteur de 1 moins exponentiel moins T sur tout. N'est-ce pas? Ben. AT égale tout. UC de tout égale. Donc, vous remplacez T par tout. Donc, je dois aller E, facteur de 1 moins exponentiel moins 1. Et là, je vais dire comme 0,63. Donc, UC de tout. Et il y a 0,63E. Ben. Et là, bien sûr, dans les devoirs, il y a une galta, barchatlin d'ailleurs, c'est à l'amloha, ou à l'ibchidji, ou t'hsbou le taux en utilisant cette méthode. Ben. Chouchna amlou. On va repérer. Et là, my E. Ben. Chouchna amlou, nan. N'erdou la valeur de E, et là. La valeur de E. نمشي ونضربوها في 0,63 ديزون باش نلقاو لهنا هذايا 0,63 فوا او باهي مالوغوزمون برشا كلام باش قاعدين تعملوا نتوما تجيو تكتبوا ا تي ايكال ا تو او سي دو تو ايكال 0,63 او باغ اكزومبل لقيتوها ديزون 3,5 فولت يجي يرجع للستار التلميذ يكتب لي تو ايكال 3,5 فولت ماهيش لوجيك اول حاجه تو سيكسبريم ان سكوند وانت لهنا vous êtes en train de calculer une tension. Donc, je n'ai pas l'air. Il y a, بعد ما تحسب la valeur هذه اللي هي 0,63E, la valeur اللي لقيتها, تعملها la projection تاعها على الكورب. Voilà, هكا, هذه هي la valeur de tout. Ben, هنا بربي, باش ما تعملوش confusion في la détermination de tout. اول حاجه مقبله نقرا في لي كومونتير نتاعكم فما اللي يكتب في الشارج 0,63 وفي الديشارج 0,37 شوف اول حاجه اون ايفيت ان نستعملوا كلمه شارج وديشارج علاش خاطر كيف تقرا من بعد الديبول ار ال دونك في ديبول ار ال ما عندناش شارج وما عندناش ديشارج عندنا ايتابليسمون وعندنا روبيور دو كورون دونك ما عادش تستعملوا الفوكاب هذايا نحكيو وقت اللي عندنا كورب كواسونت ولا كورب ديكواسونت باغ اكزومبل كي ناخذوا نحنا الاو ار en fonction du temps. Donc, je vais le UR. Il y a E. Ben. Et je vous pose une question. Le courbe, c'est la décharge. On est en train d'étudier la charge du condensateur. يعني ما نعملوش غلطه كبيره خاطر برشا ماشي في بالهم كي نحكيو على الشارج تاع كوندونساتور لي كورب الكلهم سون كروسانت وقت اللي نحكيو على الديشارج لي كورب الكل سون ديكروسانت لي دونك لهنا هاو نعاود نذكركم دونك نحنا قاعدين نعملو في الشارج دونك عندنا في الشارج الكورب دو او سي الي كواسونت الكورب نتاع الكو الي كواسونت وعندنا زاده الكورب نتاع الاي الي ديكواسونت والكورب نتاع الاو ار ديكواسونت معناها ما تعملوش الغلطه هذه انو تقمرو شارج لي كورب تاع العين ودي شارج كورب هابطين نو راهو في الشارج عندنا دي كورب تاع العين ودي كورب ديكواسونت وكيف كيف في الديشارج دونك ردوا بالكم في هذه يا. دونك نعاود هنا كي تبدا عندنا اون كورب ديكواسونت هنا نذكركم الاو ار شو لقيناها لقيناها قبيله سي او اكسبونونسيال موان تي سور تو دونك كيما عملنا لهنا اون رومبلاس ا تي ايغال تو او ار دو تو ايغال او اكسبونونسيال موان 1 كي نحسبوها هذايا باش نلقاوها 0,37 او Voilà. Donc, je n'aime l'eau. Tu as la valeur de E. N'aime 0,37 fois la valeur de E interne. Je trouve la valeur heavy que fait le courbe Kadesh. Et n'aime la projection. Donc, n'aime pas. Et tout. On va passer à la chose. Je vais vous expliquer comme choix la durée de charge.
ذكركم دونك الـ UC دو تي شلقيناها في الشارج. دونك لقينا E فاكتور دو 1 اكسبونونسيال موان تي سور تو. دونك اون فا ديزيني بار سوا تيتا لا ديوري دو شارج. On va considérer que le condensateur il est complètement chargé lorsque le UC elle atteint sa valeur maximale, il y a E, à 1% près. Schnorsut. Yani UC de θ, mais je vais écrire E, plutôt je vais écrire 0,99 fois E. Donc on va remplacer T par θ. Donc, je dois lire E facteur de 1 moins exponentielle moins θ sur taux, ou le taux est égal à 0,99 fois E. Donc, je simplifie par EE. Donc, j'ai pour l'exponentielle, je dois lire les positifs. Donc, 0,99, mais l'autre côté, donc je taperai les 0,01. Ben, je n'ai pas l'exponentielle. Donc, on a dit le ln de part et d'autre. Donc, je dis Gini. Je dis ln de 0,01 égale moins θ sur taux. Donc ln de 0,01 est moins 4,6. Donc je n'ai pas au fil. Je n'ai pas au θ est 4,6 taux. Ben, l'année Barsha Tlemza Saat. Il se demande, waqtesh on a le droit bach nestamlo 5 taux, hein? Waqtesh bach nektbou 4,6 taux. Ben, hna tout dépend nahna ou l'énoncé. Ben, alors, nahna qulna qbila awal ma khdemna le cours, fi le régime permanent, waqta hatina t tend vers plus l'infini. Nahat l'exponentiel, waqina que la valeur limite de UC est égale à E. Ben. هنا شنو قصد انا حسب لينونسي كان في لينونسي il impose ou يقول لك رانا on va considérer que le condensateur il est considéré comme complètement chargé lorsque UC atteint sa valeur maximale E à 1% près معنى كي جينا في لينونسي ويعطيك يقول لك اللي UC هي 0,99 E. في الكا هذايا وقت اللي يسالنا على الديوري نتاع شارج تيتا باش نكتبو 4,6 تو. باغ كونتر كان يجيك هو في ليكزارسيس وما يكتبلكش ال 1% بري هذيك سيتادير كي نقول لك انا كيلي لا فالور ليميت تاع الاو سي باش تقول لي هي او في الكا هذيك وقت تيتا نجم تقول لي ات ايغال 5 تو. دونك كي نلقاو لهنا تيتا لقيناها 4,6 تو اور التو هي ار فوا سي. Donc, je n'ai pas la conclusion de TH, je n'ai pas l'effet de taux. Donc, pour charger plus rapidement, donc le condensateur, il faut. Donc, θ, elle est proportionnelle au taux. Donc, pour diminuer θ, donc il faut diminuer θ, c'est-à-dire. Diminuer taux. Donc, pour diminuer le taux, soit on diminue R, soit on diminue C. Donc, voilà. Donc, حاولوا تابعونا انفيتيو صحابكم باش تحصلوا الفايده للناس الكل. Voilà. Donc, bon travail. Et si vous avez des questions, donc, حطوهم حتى في les commentaires. Rabbi معاكم. Voilà. Donc, بسلامة.